Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Sainte Jeanne d'Arc, c'est l'incarnation de ce qu'est la France, sur deux aspects qui sont très importants. L'attachement à la Sainte Foi catholique, à la prière, à la pénitence, etc. Après, les voies et tout ça, bon, c'est pas donné à tout le monde. Moi, ça m'est pas donné. Mais voilà, une vraie dévotion envers Dieu, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, la légitimité, le sens de la légitimité. Et c'est un modèle pour tous les Français, c'est une sorte d'incarnation de ce qu'est la France. Il n'y a personne qui a aussi bien marqué ce que c'était la France. Et donc ça, c'est plus que souvent on dit les saints sont des modèles. Oui, mais là c'est plus que ça, c'est-à-dire que ça montre l'attitude qu'on doit avoir par rapport à Dieu et par rapport au roi légitime. Ce sont les deux choses. Alors c'est très curieux parce que tout le monde se réclame de Sainte Jeanne d'Arc, y compris, je ne sais pas moi, Jean-Marie Le Pen, il y a eu des gens aussi de la gauche, etc. Et en fait, Sainte Jeanne d'Arc est très exigeante de manière spirituelle, je ne dis pas que ça soit... Mais il faut une implication au niveau spirituel, une implication forte, et le sens de la légitimité. Alors c'est très curieux qu'il y ait des gens qui soient éminemment républicains et qui ont une sorte de... qui respectent Sainte Jeanne d'Arc et tout ça, donc c'est très bien, mais c'est un peu, intellectuellement, c'est un peu incompréhensible. Et alors pour aujourd'hui, évidemment, c'est très très important, et moi c'est profondément mon modèle, et c'est pour ça que je dis à la fin des vidéos, Deus et Rex. Si on s'écarte d'une dimension, on part vers le dévoiement. Voilà. Une vidéo très courte pour rappeler l'essentiel de ce qui nous caractérise, nous Français, et tous ceux qui sont attachés à travers le monde au royaume de France. À très bientôt à tous. Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.